Bienvenue à cette vidéo sur le tissage. Quelques petites informations avant de débuter la vidéo. Dans la vidéo, je travaille sur un métier à tisser de table de 24 pouces à 4 cadres. Toute l'information que je vous donne dans la vidéo est facilement transposable sur un plus gros métier. La seule différence, c'est que ici, ce métier-ci, les cadres sont bougés avec des clés. Et puis sur un plus gros métier à tisser, les cadres vont être bougés avec des pédales. Mais c'est essentiellement la même chose. Puis aussi, dans la vidéo, c'est un tout petit projet que je vous montre. Si votre projet est plus gros, c'est le même principe. Vous allez passer les fils dans le rond et ensuite dans les lisses. Si votre projet est plus gros, plus large, ça va juste vous prendre un petit peu plus de temps à passer les fils. Si votre métier contient plus que 4 cadres, c'est la même chose. Au moment du passage en lame, vous allez suivre les instructions sur votre patron qui va vous indiquer où passer les fils, dans quel cadre, etc. Ça va être juste un petit peu plus long. Et tout ce que je vous montre dans la vidéo, c'est essentiellement la même chose d'un métier à l'autre. Puis les motifs que j'utilise dans la vidéo, je les ai pris dans le livre de Hendickson. Ce livre contient plus de 600 différents motifs. Et puis elle donne pas mal d'informations sur comment calculer la chaîne. Puis aussi, elle donne plus d'informations aussi sur les lisières. Moi, dans la vidéo, je vous donne une information assez sommaire sur les lisières. J'installe seulement des lisières flottantes, mais elle va un petit peu plus en profondeur sur les lisières. Puis, c'est un livre qui est vraiment que j'utilise vraiment souvent. Il y a énormément de patrons, assez facile à lire. Et puis, c'est un bon livre aussi si vous voulez débuter en tissage. Vous ne savez pas trop où commencer. Ça vous donne plein de motifs, ça vous donne plein d'idées. Et vous allez pouvoir faire plein de tests. Puis, ça va vous permettre aussi d'expérimenter avec différents motifs. Sur ce, on va commencer la vidéo. Donc, cette vidéo fait suite à la vidéo sur l'ourdissage. L'ourdissage où on a pris le temps de préparer nos fils, de les mesurer et de les placer de façon à ce qu'on puisse les transférer sur le métier à tisser. Puis, vous allez voir au début de la vidéo, vous allez voir les fils qui sont encore placés sur les bâtons où on a préservé l'encroix pour pouvoir placer les fils sur le métier à tisser sans que tout se mélange. Donc, je vous invite à m'accompagner au métier à tisser, puis on va commencer à installer les fils sur le métier. Ici, je vais vous montrer un diagramme qui représente les différents motifs que je vais utiliser dans la vidéo. Je vais utiliser un motif de toile et je vais utiliser deux variantes de motifs de sergé. Alors, si on regarde le diagramme ici, les carrés rouges en haut ici représentent la couleur de mon fil de chaîne. Ici, les carrés de ce côté-ci représentent la couleur de mon fil de trame. Ici, ce qu'on appelle le passage en lame représente chacun des cadres du métier à tisser. Et les carrés noirs indiquent où on doit passer les fils. Par exemple, ici, je passe un fil de chaîne dans une lisse du cadre 1. Ici, un fil dans une lisse du cadre 2, dans une lisse du cadre 3 et un autre fil dans une lisse du cadre 4. Puis je recommence. Et on suit l'ordre des carrés noirs. Et on commence à lire à partir d'ici, comme ça. Ici, c'est ce qu'on appelle l'attachage. Chaque carré représente les pédales et aussi les cadres. Si on regarde la photo, ici, on voit que ce métier à tisser a des pédales. Chaque pédale a des cordes attachées après et chaque corde fait bouger les cadres. Si je veux faire un motif de toile avec un métier avec des pédales, je vais attacher sur la première pédale une corde du cadre 1 et une corde pour le cadre 3.
et la pédale 2, une corde pour le cadre 2 et pour le cadre 4. Ce qui veut dire que quand je vais peser sur ma première pédale, je vais faire bouger les cadres 1 et 3. Et sur la deuxième pédale, je vais faire bouger les cadres 2 et 4. Si on a un métier à tisser, par exemple de table, comme on voit ici dans la photo, dans ce cas-ci, il n'y a pas de pédale, ce sont des clés. Donc, chaque carré noir représente les clés sur lesquelles je dois peser pour faire bouger les cadres. Ici, je vais peser sur la clé 1 et 3, et ici sur la clé 2 et 4. Ici, ce qu'on appelle la marchure, c'est l'ordre dans lequel je vais peser sur mes pédales pour faire le motif que je veux. Et on... j'ai oublié de vous mentionner. Ici, l'attachage, on lit ça à partir d'ici, comme ça. Puis ici, la marchure, on lit ça à partir d'ici, comme ça. Donc, je disais, je vais peser sur la pédale 1 pour faire bouger les cadres 1 et 3. Et je vais peser ensuite sur la pédale 2 pour faire bouger les deux, les cadres 2 et 4. Et si j'ai un métier avec des clés, à ce moment-là, je vais peser sur les clés 1 et 3, ensuite les clés 2 et 4, et ainsi de suite. Avec le passage en lame comme ça, je peux tisser plusieurs motifs. Ici, je vais faire un motif de toile, et ici, ça va être un motif de sergé. Ici, c'est le même principe. Si j'ai un métier à pédale, je vais attacher ma première pédale. Je vais attacher les cadres 1 et 4. Ma deuxième pédale, les cadres 3 et 4. Ma troisième pédale, les cadres 2 et 3. Et la quatrième pédale, les cadres 1 et 4. Puis si j'ai un métier à tisser avec des clés, c'est la même chose. Je vais peser sur la clé 1 et 4. Ici 3 et 4. Ici 2 et 3. Et ici 1 et 2. La marchure pour le sergé, le premier motif, ça va être premièrement celui-ci. Pour les cadres 1 et 4, pour les cadres 3 et 4, 2 et 3 et 1 et 2. Et je continue comme ça. Et je descends, et je lis à partir d'ici, et je descends comme ça. Ici, le deuxième motif de sergé. Donc, c'est la même attachage. La marchure est un peu différente. Et ici, je vais commencer à lire ici. Donc, c'est le cadre 3 et 4. Ici, le cadre 1 et 4. Ensuite, je vais aller ici, le cadre 2 et 3. Et ici, le cadre 1 et 2. Et je vais continuer à lire ma marchure comme ça, en descendant. Une fois que j'ai enlevé mon projet de mon autre tissoir, je vais passer à l'étape du passage des fils dans le rond et dans les lisses. Avant de commencer, je dois mesurer, trouver le milieu de mon row pour que je puisse centrer mon projet au milieu de mon row. Parce que s'il n'est pas centré, ça va jouer sur la tension de mes fils. Je trouve le milieu de mon row qui est ici. Donc, par exemple, si mon projet fait 22 cm de large, je vais mettre mon ruban à mesurer à 11 ici. Je me rends à 22. Je vais mettre un petit morceau de coton ici. Ça, c'est mon milieu. Et ça ici, c'est ça. Donc ici, c'est où est-ce que je vais commencer à rentrer mes fils. Parce que je vais commencer à partir de la droite. Et je vais terminer ici. Et en faisant ça comme ça, mon projet est vraiment centré au milieu de mon row. Une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement dégager mes fils. Ici, c'est une tresse, donc j'ai juste à tirer dessus pour la défaire. Je ne la défrai pas tout au complet. Je vais juste garder ça ici en attendant. Ça, c'est les bâtons qui tient mon encroix. Mon encroix est ici. Je vais juste le passer comme ça ici.
Je vais attacher mes bâtons sur ma poitrinière en avant ici. Je vais enlever mes anneaux parce que ça va mieux s'attacher comme ça. Je vais passer un fil ici. Ça bouge un peu au début. Il faut juste que je les tienne comme ça, je pense. Je vais passer un autre fil ici. Puis je vais venir attacher ça solidement après ma poitrinière comme ça. Juste avec un bout de coton, juste pour m'assurer que ça ne bouge pas. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir enlever ça ici. Parce que si je laisse les anneaux là, ça, je vais avoir de la misère à l'attacher. Je veux vraiment que mes bâtons soient bien à plat sur ma poitrinière. Juste pour pas que ça bouge quand je vais aller chercher mes fils de mon encroix. Et je fais la même chose ici. Je vais venir attacher ça solidement. Après ma poitrinière en avant. Là, ce que je fais, c'est que je vais passer mes fils à partir de l'avant du métier à tisser. On peut le faire de l'arrière vers l'avant. Moi, j'aime bien vers l'avant, partir de l'avant. Ça fonctionne bien pour moi. Ça, je peux enlever ça ici. Je vais dégager ça. Je vais détacher mon extrémité, mon bout ici. Puis, je vais juste aller couper mes fils. Comme ça. Je vais venir fixer cette partie-ci du métier à tisser avec des serre-joints comme ça. Je vais tout simplement le mettre comme ça ici. Ça va fixer ça, puis quand je vais aller passer mes fils dans mon rond, ça va être plus facile parce que ça ne bougera pas. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pouvez même attacher avec un morceau de coton ici. Moi, je trouve que ça va bien. C'est très, très solide. Je vais juste aller dégager ça pour me faire de l'espace pour travailler. J'ai mon crochet ici que je vais utiliser pour aller chercher chacun de mes fils. Alors, comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur l'ourdissage, l'encroix ici consiste à séparer les fils pour pas qu'il y ait, en fait, pour empêcher que ça se mêle trop, puis que ce soit facile à entrer les fils dans leur haut. Parce que là, les fils sont tous séparés comme ça. Il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, et ainsi de suite. Et ce que je vais faire, je vais prendre le premier fil qui se présente ici avec un crochet. Je vais passer mon crochet dans le premier espace ici, où est-ce que j'ai indiqué avec un morceau de coton. Parce que ça, c'est mon début. Je vais aller accrocher mon fil après mon crochet. Puis je vais l'insérer ici. Puis je vais faire la même chose. Je vais aller chercher le deuxième fil qui se présente ici. Et je vais aller le chercher comme ça pour l'insérer
dans le deuxième espace du row. Ensuite, ici, c'est le troisième qui se présente ici. Évidemment, c'est un travail qui doit se faire très lentement pour s'assurer que il n'y a rien qui se mélange puis qu'on ne fasse pas d'erreur. Si on oublie de rentrer un fil dans un espace ici, ça va évidemment jouer sur le motif. Votre motif va avoir un petit défaut dedans. Et je continue. Je prends les fils comme ils se présentent, un par un. Puis de temps en temps, ce que je vais faire ici, je vais juste mettre mes fils égales, le plus possible en tout cas, pas obligé que ce soit extrêmement précis non plus. Je vais tout simplement aller faire, juste les attacher ensemble comme ça. Ça, il n'y a pas de danger que je tire dessus par erreur puis que je défasse tous mes fils dans mon row. Alors, je continue ici à prendre mes fils comme ils se présentent pour les passer dans mon row.
tous mes fils sont attachés en arrière comme ça pour pas que ça bouge. Une fois que j'ai passé tous mes fils dans mon haut, je peux maintenant dégager ça ici. Je vais enlever mes serre joints. Je peux même aller enlever mes fils guides ici qui marquaient mon milieu, puis mon côté. Et puis ici, je peux aller enlever mes bâtons pour tenir mon encroix. J'enlève tout ça. Je vais détacher ça au fur et à mesure. Je vais devoir placer aussi mes fils de temps en temps. Je vais placer ça comme ça. Puis la prochaine étape va être de rentrer mes fils dans chacune de mes lisses. Alors, si tous mes fils sont tous bien attachés, donc pas de danger que je tire dessus par erreur puis que ça se défasse, je vais commencer aussi de ce côté-ci et je vais tout simplement tirer sur mon fil pour le défaire. Je passe un fil dans le cadre 1, un fil dans le cadre 2, un fil dans le cadre 3 et un fil dans le cadre 4. Et ici, j'ai besoin de 50 lisses de ce côté-ci. Étant donné que je commence ici, à la droite, je vais devoir me mettre des lisses ici en attente. Donc, j'ai 50 lisses ici. Celles-là, je les utilise pas, donc je vais les laisser là. Alors, c'est le même principe. Je vais prendre le premier fil qui se présente, donc à l'extrémité de ce côté-ci. Je vais prendre une lisse du cadre 1, puis je vais passer mon fil dedans. Et je tasse ça par ici. Je prends le deuxième fil et je vais l'insérer dans une lisse du deuxième cadre. Le troisième fil dans une lisse du troisième cadre et le prochain fil dans une lisse du quatrième cadre. Puis je continue. Le prochain fil. Premier cadre. Le prochain fil. Dans le deuxième cadre. Prochain fil dans le troisième. Puis le prochain fil dans le quatrième. Puis de temps en temps aussi, je vais aller venir attacher ça en arrière. Je vais égaliser mes fils aussi le plus possible. Comme ça. Puis, je vais tout simplement faire un nœud temporaire. Pas de danger que ça bouge. Puis, je continue. Je peux prendre aussi mon crochet pour passer mes fils dans mes lisses.
Surtout, les fils sont assez gros. J'ai pas nécessairement besoin du crochet. En fait, moi, des fois, quand les fils sont gros comme ça, je préfère pas prendre le crochet. C'est un petit peu plus rapide, je trouve. Une fois que je suis arrivé au milieu, pour faire de l'autre côté, évidemment, j'ai pas besoin de compter le nombre de listes parce que je m'en vais par là, donc je peux juste prendre. Je suis rendu à troisième. Je peux juste continuer puis aller glisser vers moi comme ça. Et avant d'attacher en arrière, je vais tout simplement venir enrouler ça ici en avant, comme ça. Genre 2-3 tours, là. Juste l'enrouler comme ça. Puis je vais terminer par rentrer le bout ici, puis fixer ça. Pas trop serré, juste parce que quand je vais travailler de l'autre côté, ça aura pas tendance à bouger ici. Je vais laisser cela pour l'instant, je vais revenir faire ça tantôt. On va aller attacher en arrière du métier en premier. Je vais maintenant venir attacher mes fils derrière. Et ici, il y a un morceau de tissu qui enroule en souple avec deux barres de métal.
Je vais venir attacher mes fils ici. Je vais aller dégager mon frein. Je vais pouvoir juste amener ça comme ça. Je vais remettre le frein, juste pour pas que mon ensouple tourne dans le vide. Et je vais commencer à venir attacher les fils par groupe ici. Je vais prendre le premier groupe. Je vais venir le passer en dessous. Je vais juste dérouler un peu mon ensouple. Voilà, comme ça. Puis, je vais venir attacher le premier groupe comme ça. Donc, je passe en dessous. Je sépare mes deux fils, mes deux groupes de fils, puis je vais les passer en dessous ici. Puis les croiser. Puis je vais attacher ça ensemble. Je ne ferai pas un double nœud tout de suite. Je vais attendre d'avoir fini. Et là, maintenant, je vais venir de l'autre côté. Je vais venir attacher l'autre groupe de fils. Au moins, ça va tenir comme ça de chaque côté. Juste qu'en attachant comme ça les deux extrémités, ça va empêcher à mon ensoupe de trop bouger. Et je vais prendre le groupe de fils ici. Je vais faire la même chose, je le passe en dessous. Je divise ça en deux, je les passe en dessous, puis je viens les croiser en dessous. Je ramène ça par-dessus. Et je vais juste faire un nœud comme ça. Une fois que tout est attaché, je vais juste aller faire un double nœud partout. Juste pour être certain que rien bouge. Maintenant, ça va être le temps d'enrouler les fils sur mon ensouple en arrière de mon métier à tisser. Je vais juste aller venir détacher ça ici. Je peux commencer tranquillement à enlever mes fils. Je ne les enlèverai pas tous, mes fils qui sont attachés. Ça va juste bien tenir tout ça ensemble. Je vais les enlever au fur et à mesure. Puis, de temps en temps, là, je vais venir juste comme peigner avec mes doigts pour placer tout ça. C'est certain que ma chaîne, ici, elle n'est pas vraiment longue. Donc, je peux travailler tout seul. Puis, en plus, c'est un petit métier. C'est plus facile à travailler tout seul. Sur les gros métiers, c'est moins évident.
l'espace entre la poignée pour enrouler l'ensouple. Puis le devant est un peu éloigné. Ici, étant donné que c'est tout petit, je peux vraiment m'organiser tout seul. Je vais dégager mon frein ici pour que je puisse tourner la manivelle. Puis je vais venir installer un papier ici. Je vais juste l'installer comme ça, entre mes fils, puis le morceau de tissu. Là, ça va s'enrouler tout seul. Je n'aurai pas besoin de le tenir comme ça. J'ai dégagé mon frein. Et là, je vais commencer à tourner. Et là, le papier, vous voyez, le papier s'enroule tout seul. La raison pour laquelle on met un papier, c'est pour que la tension reste vraiment égale sur mes fils au fur et à mesure que je vais tisser. Si je ne mettais pas de papier, mes fils se superposeraient les uns sur les autres, puis s'encaveraient les uns dans les autres, et ça jouerait vraiment beaucoup sur ma tension au final. Je peux enlever mes fils au fur et à mesure, puis en même temps, je vais venir juste comme les peigner avec mes doigts. Juste pour que ce soit comme un peu égal. Puis, je vais continuer de rouler. Puis, je ne vais pas trop vite. En même temps, je vérifie. Je vérifie que tout roule bien partout. Je vais pouvoir venir enlever mes fils ici. Et en fait, rendu ici, je peux venir couper. Je peux venir couper mon extrémité ici. Puis en même temps, bien, les fils vont avoir bougé. Donc, ce que je vais faire, parce que c'est sûr que ça bouge un peu, on ne tire jamais complètement égal sur les fils. Je vais juste venir couper l'extrémité ici. Égal. Puis là, je vais continuer de rouler. Je vais m'arrêter à peu près ici. Ah, peut-être un petit peu plus. Comme ça. J'ai laissé à peu près cette longueur-là. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ça par groupe, disons par groupe de 4 à peu près. Et je vais venir faire des nœuds. Comme ça. Faire un nœud. Puis j'essaie de mettre mes nœuds à peu près à la même égalité. Puis je vérifie toujours que c'est à peu près égal. C'est pas obligé d'être super précis, mais plus c'est égal, plus ça va être facile de venir attacher les fils après l'ensouple devant le métier à tisser. Je vérifie toujours que c'est bien et le plus égal possible.
Une fois que j'ai fait des nœuds partout sur mes groupes de fil, je vais ramener mes bâtons comme en arrière. Je vais ramener mon tissu ici pour que je puisse enrouler mes fils sur l'ensouple au fur et à mesure que je vais tisser. Là, de ce côté-ci, je vais attacher mes fils différemment que de l'autre côté. C'est une façon que j'aime bien. Je trouve que ça fonctionne bien, celle-là. Je vais commencer par venir faire un nœud ici, au début. Comme ça. Je vais venir prendre le premier groupe de fil. Je vais le séparer en deux. Puis je vais aller chercher mon fil de coton. Ici, puis je vais juste tirer dessus, comme ça. Là, je vais le... Ouais. Ensuite, je vais passer mon fil en dessous. Je vais garder ça dans mes doigts comme ça. Je vais prendre le prochain groupe de fil que je vais juste aller passer le fil dans le milieu et je vais tirer sur mon fil comme ça. Comme ça. Là, j'ai oublié de mettre mon frein. Là, je me suis rendu compte que ça bougeait en arrière. Voilà. Je passe mon fil ici, j'attrape avec mes deux doigts, je tire dessus, je vais aller à mon prochain groupe, je vais passer le fil dans le milieu, et puis je tire un peu dessus. Et je continue, je passe en dessous, le prochain groupe, je passe le fil dans le milieu du groupe de quatre fils. Puis je vais faire ça pour chacun des groupes. Je vais passer le fil au milieu de chacun des groupes. Puis, je vais venir tirer. Puis à chaque fois, je vais revenir passer en dessous de ma barre de métal ici. C'est pour ça que si les nœuds sont faits à la même distance, c'est plus facile d'ajuster la tension à ce moment-là. Comme je vous disais, ça n'a pas besoin d'être super précis, mais au moins que ce soit à peu près égal. Puis ici, j'essaie de garder à peu près la même tension, là. Pas trop tirer non plus. Mais juste assez pour garder quand même. Ça, c'est pas pire, ça. C'est à peu près bon, ça. Au moins garder une certaine tension, mais de toute façon, je vais ajuster quand même avec mes manivelles, mais au moins que ce soit à peu près pareil partout pour commencer. Parce que s'il y a une partie de fil qui est trop serrée ou trop lâche, au fur et à mesure qu'on va tisser, la tension, elle sera plus égale sur les fils. Là, je vois ici que mes fils de début sont un peu moins serrés. Donc, je vais tenir ça ici, puis je vais tout simplement venir tirer les fils comme ça, un par un. Et ça me permet de venir ajuster ma tension partout. Parce que c'est un peu normal là, que mes fils au début soient moins serrés, un petit peu.
Ah, ça c'est mieux. Et là, je vais tout simplement venir attacher ça ici. Juste attacher ça solidement au bout pour juste pas que ça bouge. Bon. Puis on essaie de faire en sorte que les fils en arrière soient un peu égal, soit égal avec ceux en avant. Ça, c'est bon. Puis là, ici, je vais juste l'avancer un petit peu. Je vais enlever mon frein. Puis là, je vais tourner un tout petit peu. Puis je vais remettre mon frein. Une fois que mes fils sont tout attachés, que tout est bien en place, je vais aller insérer ce qu'on appelle une lisière flottante. Ça, c'est deux fils qui vont de chaque côté de mon projet. Les fils passent dans le rô, mais ne passent pas dans l'hélice. Et je vais mesurer un fil d'environ... ma chaîne est 3 mètres. Donc, je vais mesurer un fil environ de 3 mètres aussi. Que je vais tout simplement venir attacher ici. Comme ça. Alors, mon fil passe dans le rô, mais pas dans l'hélice. Je vais aller aussi en installer un de l'autre côté. Donc je le passe juste dans l'espace à côté. Est-ce que mon projet a terminé? Et je mesure environ 3 mètres. Au moins 3 mètres parce que ma chaîne est 3 mètres. Là, j'en ai mis un petit peu plus. Puis, je vais venir attacher l'extrémité juste ici. Puis, en arrière, ici, la raison pour laquelle la lisière flottante, je ne l'attache pas directement après mon fil de chaîne parce que je veux que ma lisière de chaque côté, je veux qu'elle soit comme... Je vais avoir plus de contrôle sur la tension de mes deux lisières de chaque côté. Puis, en la laissant séparer comme ça, je vais avoir plus de facilité à contrôler la tension dessus. Je vais tout simplement l'enrouler autour d'un crochet en S comme ça. Ça, ces crochets-là, vous pouvez trouver ça dans les quincailleries. Puis pour être certain que ça ne bouge pas, je vais mettre une pince ici pour tenir tout ça en place.
Puis je vais faire la même chose avec l'autre fil, l'autre lisière flottante de l'autre côté. Puis de temps en temps, je vais venir dérouler le fil. Si c'est pas assez lourd, je peux venir ajouter des poids supplémentaires. Avant de commencer à tisser, je vais venir juste insérer un fil ici pour égaliser un peu ma tension au début, parce que là, la tension, elle n'est pas égale à cause des nœuds ici. Ça, c'est un petit métier à tisser. Les clés ici vont faire bouger les cadres. Sur les gros métiers à tisser, il y a des pédales. Ici, ce sont des clés qui font bouger les cadres. Je vais commencer par peser sur le cadre 1 et 3. Puis je vais aller juste insérer un fil ici, que je vais laisser double, comme ça. Je vais tasser un peu. Et maintenant, je vais aller lever le cadre 2 et 4. Et puis, je vais refaire la même chose. Je vais aller insérer un bout de corde comme ça, mais je vais laisser la boucle de ce côté-ci. Puis, je vais repeser sur les cadres 1 et 3. Je vais laisser mes deux boucles de chaque côté comme ça. Et les cadres 2 et 4. Je vais refaire une autre fois les cadres 1 et 3. Et de nouveau, les cadres 2 et 4. Ce qui arrive ici, c'est que cette partie-là, qui va être inutilisée, fait en sorte que mon tissage va commencer un peu plus égal. Puis une fois que je vais avoir fini, complètement fini de tisser, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement tirer sur un bout et puis ça va s'enlever. J'en ai préparé mes bobines pour commencer à tisser mon projet. Là, je vais l'installer ici temporairement parce que là, je voulais que vous voyez bien ce que je fais. Je vais juste faire un léger nœud ici. Puis, je vais tout simplement me faire des bobines. J'ai fait une bobine. Ça ici, c'est pour faire pour mes lavettes, pour laver la vaisselle. Ça, c'est du 2,6. Ça, c'est du 2,8. Je vais tout simplement faire une petite bande ici. Quand je vais terminer mes linges à vaisselle, je vais pouvoir les couper puis faire un roulet avec cette partie-là. Étant donné que le fil est un peu plus mince, je vais avoir moins de difficultés à plier ça pour faire le ourlet. Je vais laisser ça ici pour tout de suite. Je vais prendre cette fois-ci du 2,6. Non, ça c'est pas du 2,6, c'est du 4,6. Donc 4,6, ça veut dire c'est 4 brins de fil de grosseur 6. Puis l'autre, c'est du 2,8. Donc, 2 fils, 2 brins de fil de grosseur 8. Juste enlever ça.
Ici, j'ai ma navette. Je vais insérer ma bobine dedans et je vais passer le fil dans le trou ici, comme ça. Et je vais commencer à tisser. Ma bande pour mon ourlet, je vais la faire en toile. Donc une toile, c'est on pèse sur les clés 1 et 3 pour faire lever les cadres 1 et 3. Puis ici, ma lisière flottante, ma navette, je vais la passer en dessous, ce côté-ci. Puis de l'autre côté, je vais la passer par-dessus. Je vais passer ma navette par-dessus le fil. Puis ici, je vais tasser mon fil. Puis maintenant, je vais peser sur les clés 2 et 4. Puis de ce côté-ci, je vais passer la navette en dessous de la lisière flottante et par-dessus la lisière flottante de ce côté-ci. J'ai oublié, je vais juste rentrer mon fil ici. Juste pour pas que ça pende. Et je vais tasser mon fil. Puis je vais tout simplement reprendre les clés 1 et 3. Donc, à chaque fois que je commence, je vais passer en dessous de ma lisière flottante et de l'autre côté, par-dessus ma lisière flottante. Je tasse mes fils. Les cadres 2 et 4, en dessous de ma lisière flottante, par-dessus ma lisière flottante. Donc c'est toujours la même chose. Les cadres 1 et 3, en dessous de la lisière, par-dessus la lisière. Donc en dessous, en dessus. Et les cadres 2 et 4. Bon, je vais couper ça ici. Je vais récupérer ma navette pour changer de couleur. Ce fil-là, je vais venir le passer en dessous de ma lisière flottante. Puis, je vais juste l'insérer à l'intérieur comme ça. Puis, plus tard, là, je vais venir juste couper l'excédent. Prends ma nouvelle bobine, donc ma nouvelle couleur, puis je vais l'insérer dans ma navette. Ici, j'ai le choix de continuer de faire une toile, donc lever les cadres 1 et 3 et les cadres 2 et 4. Et pour faire le sergé, je dois suivre les instructions ici. Ce qui est en noir, donc ça correspond à un cadre. Donc, je vais commencer par peser sur la clé 1 et la clé 4 pour lever le cadre 3, le cadre 1 et 4. J'oublie pas ma lisière flottante, en dessous pour commencer et par-dessus de l'autre côté. Je viens placer mon fil, je vais le tasser un peu et ensuite. Ça me dit les cadres 3 et 4. Donc, je vais prendre les cadres 3 et 4. Ici, je vais juste venir insérer mon fil ici. Cadres 3 et 4. Là, ici, il faut juste que je passe. J'ai mal pensé. Ma lisière flottante, il faut que je passe toujours par en dessous avant de commencer.
Puis on tire pas trop non plus sur le fil pour pas que notre ouvrage tire par en dedans. Ensuite, j'ai fait un 4, 3, 4. Maintenant, je vais faire les cadres 2 et 3. 2 et 3. Je tasse mes fils. Et le dernier, c'est les cadres 1 et 2. J'avais oublié de vous mentionner, lorsque vous allez être rendu au point où vous allez avoir de la difficulté à passer votre navette, à ce moment-là, il faut rouler un peu sur l'ensouple avant. Puis pour faire ça, faut dégager le frein. Le frein, ici, il est juste à côté. Si vous avez un métier avec des pédales, le frein va être en bas, juste à côté des pédales en fait. Je vais dégager le frein et puis là, je vais pouvoir aller juste tourner. Pas beaucoup, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de place. Puis là, je vais venir ajuster ma tension. Je vais pouvoir continuer la séquence de mon tissage. Donc, les 4, 1 et 4. Et 4. Deux et trois. Puis évidemment, j'oublie pas de passer en dessous de ma lisière flottante et par-dessus de l'autre côté. Donc, les deux derniers cadres. Et je continue ainsi jusqu'à temps que j'ai obtenu la longueur voulue. Une fois que j'ai fini avec une couleur, je vais tout simplement venir l'insérer ici à l'intérieur. Placer comme ça. Quand je vais commencer un nouveau rang. Et là, je vais changer pour ma couleur jaune. Je vais garder le motif de Sergé. Je vais tout simplement changer de couleur. Pour changer de couleur, je vais commencer à passer. Puis je passe toujours en dessous de ma lisière flottante et par-dessus ce côté-ci. Je vais me laisser un bout de fil de ce côté-là. Je vais tasser mes fils et puis au prochain rang, là je vais rentrer mon fil jaune ici. Donc de ce côté-là, je passe en dessous de ma lisière flottante et par-dessus. Je fais toujours les... Quand je commence, je passe toujours par en dessous en premier. Et puis, en dessous, par-dessus la lisière flottante. De temps en temps, je vais venir en arrière, puis dérouler un peu de fil sur mes lisières flottantes. Au début, j'avais mis des crochets en S, mais ça tenait pas bien. J'ai trouvé des trucs dans mes tiroirs de quincaillerie, là,
des espèces de ailes en métal qui allaient avec des étagères d'IKEA. J'aime bien parce que je peux les superposer si c'est pas assez lourd. Puis je peux juste dérouler ça un petit peu de temps en temps comme ça. Avec des petites pinces, je retiens mes fils. Puis je peux continuer de tisser après. Je vais maintenant terminer le tissage de cette petite partie-ci dans le second motif de Serger. Je vais juste terminer la dernière partie. Que j'ai terminé ça, je vais couper mon fil ici. Je vais juste aller rentrer ça à l'intérieur ici, comme ça. Une fois que j'ai terminé ma pièce de tissu, je vais aller insérer un fil de coton comme j'ai fait au début pour retenir mes fils ici parce que je veux pas que ça se défasse. Parce que quand je vais les couper, la tension va toute s'enlever. Puis ça risquerait de bouger. Ce que je fais, c'est que je fais comme un motif de toile. Je vais aller peser sur le cadre 1 et 3. Je peux prendre un outil ici, mais ma pièce n'est pas assez large, donc je peux aller avec mes mains. Ensuite, je vais aller avec le cadre 2 et 4. Je vais tout simplement le prendre comme ça. Et entrer ça ici, garder mes deux boucles de chaque côté. Ça, c'est suffisant. Je vais couper mon fil ici. Puis, alors, quand je vais couper mon fil de chaîne, ça va juste préserver ma petite partie ici. Je veux pas que ça bouge. Alors, j'ai terminé ici. Je vais aller couper mes lisières flottantes parce que je veux pas que ça tombe par terre. Je vais enlever ça comme ça. Je vais enlever mon frein puis je vais juste aller enlever un peu de tension. Ça va juste être plus facile à couper. Je vais tout simplement venir couper mes fils ici. Ce qui est en arrière, je vais juste le tirer comme ça. Puis, ici, j'ai un autre frein pour retenir mon ensouple en avant. Je vais tout simplement tenir ça pour que ça déroule. Je déroule. Puis ici, je pourrais juste venir détacher ça aussi, là, mais je peux le couper également. Parce que de toute façon, ces fils-là, hein, je vais les couper.
Parce que de toute façon, ces fils-là sont perdus. Je peux pas réutiliser ça. Tout simplement enlever mon fil qui retenait ma bande de tissu au début. Je vais juste venir couper ça ici. Parce que j'ai inséré un fil de coton comme ça au début, le vert, là. Ça bougera pas. Je vais aller faire une couture machine avant d'enlever mon fil vert. Là, évidemment, je vais plus tard, là, je vais venir tout nettoyer mon métier à tisser. Je vais venir les fils ici en avant, puis en arrière aussi. Je vais aller couper tous les fils excédents en arrière. Je puisse nettoyer mon métier à tisser pour un prochain projet. Voilà, ça fait une bande de tissu comme ça, et je vais aller couper chaque carré, puis je vais aller faire un ourlet à la machine après. Je vais juste vous montrer ce que je fais pour terminer ma pièce de tissu. Ici, c'est l'extrémité. Je vais tout simplement venir faire un tout petit zigzag. Ça va empêcher toute ma pièce de tissu de s'afficher au bout. Ici, je peux juste enlever ça. Puis comme je vous expliquais dans la vidéo, je peux juste tirer sur mon fil et ça va. Parce que j'ai fait des boucles de part et d'autre, ça va juste s'enlever tout seul. Je pense que j'ai fait un nœud au début, là. Ça s'enlève pas, mais c'est pas grave. De toute façon, ah tiens, je l'ai. Voilà. Puis là, maintenant, je peux venir tout simplement venir couper l'excédent ici. Où est-ce que j'ai fait ma couture en zigzag? Comme ça. Je vais faire un roulet ici, mais ici, je vais venir mesurer la partie ici. Je vais trouver mon milieu. Je vais aller me faire juste une ligne. Puis je vais aller faire une couture de chaque côté de ma ligne de milieu. Parce que si je coupe ça directement comme ça, ça va tout s'afficher. Parce que c'est quand même pas comme un tissu qu'on achète au magasin, là. C'est pas aussi serré aussi. Tissé aussi serré qu'un tissu au magasin. Et je vais juste aller faire une couture de l'autre côté. J'ai fait une couture de chaque côté de ma ligne de milieu.
Et là, je peux tout simplement les couper sur la ligne que j'ai marquée au crayon. Comme ça, une fois coupé, j'aurai pas de risque que ça s'effiche trop. Ça va quand même s'efficher un petit peu, mais ça va s'arrêter où est-ce que j'ai mis ma couture. Puis tout ce qu'il me reste à faire à ce moment-là, c'est d'aller juste d'aller plier ça en deux, puis mettre mes épingles. Je vais aller faire mon relais ici, puis je vais aller faire le relais de l'autre côté. Donc, en tissant une partie ici avec un fil plus petit, ça me permet d'avoir un tissu un peu plus mince. Puis ça va juste être plus facile de faire mon relais à ce moment-là. Puis en même temps, ça fait quand même une petite décoration. Ça ajoute une finition intéressante à chacune de mes pièces de tissu. Donc, je vais faire la même chose pour chacun de mes carrés. Je vais venir couper le milieu ici et puis je vais terminer mes ourlets pour de chacun de mes carrés pour terminer mon projet de tissage. En guise de conclusion à cette vidéo sur le tissage, j'aimerais juste prendre le temps de vous montrer le produit fini. J'ai terminé tous les ourlets, la partie que je vous disais où j'ai tissé avec un fil plus fin, pour que ça fasse un ourlet moins épais. Puis en même temps, ça ajoute une petite touche colorée au petit linge à vaisselle. J'ai expérimenté aussi avec quelques motifs. Là, je remarque aussi qu'il y a des petites erreurs. J'ai travaillé un peu en urgence pour la vidéo. Donc, j'ai pas vraiment recommencé. Où vous voyez des erreurs. Donc, je les ai laissées quand même. De toute façon, c'est pas grave parce que je vais les utiliser pour laver la vaisselle. J'ai aussi expérimenté avec des variantes de sergé, puis différentes couleurs aussi. J'ai fait celui-ci. Ça, c'est tout des motifs qui viennent du livre de Ann Dixon. Et j'ai fait celui-ci avec deux couleurs différentes. Et puis, j'ai terminé avec celui-ci. Donc, c'est un tout petit projet et ça vous permet d'expérimenter des motifs différents. Puis, comme je vous disais un peu plus tôt, même si vous faites un petit peu d'erreur au début, c'est pas grave, surtout pour l'utilisation qu'on va faire de ces petites lingettes-là. Les erreurs, à ce moment-là, sont pas très graves. J'aimerais aussi prendre le temps de vous montrer des projets que j'ai faits en tissage. Ça, c'est mon tout premier projet que j'ai réalisé sur le métier à tisser de 45 pouces. Des fils qui m'avaient été donnés avec le métier à tisser. J'ai fait aussi celui-ci, qui est très coloré, que j'ai fait sur ce métier-ci, en fait. J'ai terminé celui-ci récemment. J'aimais beaucoup le motif, le petit motif de losange. J'ai aussi fait un autre linge à vaisselle. Ça, c'est lin sur lin. Donc, la chaîne est en lin, la trame est en lin. Puis aussi, un foulard que je me suis fait. Celui-là est réversible. Et aussi un foulard que j'ai tissé avec de la laine teint à la main de Fibre Lia. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous a donné suffisamment d'informations pour vous lancer dans le monde du tissage. Alors, sur ce, je vous laisse et prenez soin de vous. Restez en santé et puis je vous revois dans une prochaine vidéo. Au revoir.